Le 26 juillet 2023, date historique, le CNSP a engagé une action salutaire de délivrance du peuple nigérien soumis à une dictature civile inédite, et ce, durant plus de 12 longues années. Pour justifier cette levée de bouclier, la France et sa marionnette de CEDEAO évoquent la défense de la démocratie. Pour ce faire, elles exigent dans l'immédiat le retour à l'ordre constitutionnel avec le rétablissement du président déchu, dit démocratiquement élu. Ce dernier, notons-le, est un agent de la DGSE française. En effet, le premier acte qui a entaché son arrivée au pouvoir a été le péché originel commis par la Cour constitutionnelle qui a validé sa candidature en violation flagrante de l'article 47 de la Constitution, sachant bien que le candidat n'est pas un Nigérien d'origine. Au vu de tout ce qui précède, les habitants de Gabagoura apportent leur soutien indéfectible au CNSP, condamnent avec la dernière énergie les sanctions illégales, criminelles, inhumaines et arbitraires prises à l'encontre du vaillant peuple nigérien, demandent au CNSP d'engager des poursuites judiciaires contre la CEDEAO et l'IMOA pour les préjudices causés illégalement au peuple nigérien et exiger réparation. Félicite le barreau du Niger pour les plaintes déposées contre ces institutions communautaires. Intime le sous-préfet de Macronie à lever sans délai toutes les sanctions infligées injustement au peuple du Niger. C'est un argument. Félicite le peuple nigérien pour sa mobilisation massive et son soutien au CNSP, tout en l'encourageant à poursuivre la révolution populaire ainsi déclenchée. Adresse leur vif remerciement aux autorités et au peuple du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, de l'Algérie et de la Mauritanie pour leur soutien au CNSP et au vaillant peuple du Niger. Demande à Emmanuel Macroni de rappeler sans délai son ex-ambassadeur, devenu un immigré clandestin sans papier, et de rapatrier ses troupes militaires basées dans notre pays.